Good morning, allez Yiden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat, Avraham, Chai Norber, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, Chaya, Bat Tova, ainsi que l'Urfouat, Raphaël, Zevulun, Ben Chaya, Malia, Meiramat, Hasidado, Ben Yudit, et Sarah, Bat Betir, Rekha, Beton, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Dalet, Mishnah Yud, et Chashoud à la Shvi'it, nous Chashoud à la Ma'asrot. Et Chashoud à la Ma'asrot, nous Chashoud à la Shvi'it. Et Chashoud à l'Zé, et à l'Zé, Chashoud à la Taharot. ויש שהוא חשוד על התארות ואינו חשוד על זה, לא על זה ולא על זה. זה הכלל, כל החשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידו. On a dans cette משנה, on va clôturer, un sujet qu'on traite depuis maintenant, peut-être 3, 4, 5 משניות en arrière, depuis משנה זה, je crois que je vais comparer déjà ça. Quelqu'un qui est soupçonné de transgresser un interdit, qu'on ne peut plus donc se fonder sur lui, c'est-à-dire, on explique. Quand je vous avais présenté la Mishnah, vous avez dit que je ne sais pas exactement à partir de quand on soupçonne un préjugé, une gemara explicite, le Baba Metzia. Qu'on est chachoud d'une chose à partir du moment où on s'est fait attraper la main dans le sac. Je m'explique. On va prendre directement le premier cas, comme ça, on va avancer dans la Mishnah avec un exemple concret. La Mishnah enseigne que est chachoud à la Shvi'it, quelqu'un qui est soupçonné de faire du commerce avec les fruits de Shvi'it. Alors, maintenant la Mishnah va mentionner que est no chachoud à la Ma'asrot. Il ne sera pas soupçonné de transgresser l'interdit de Ma'asrot, du Maaser, Sheni, juste de la Shvi'it. On explique de quoi on parle. On parle concrètement qu'on a attrapé une fois la main dans le sac. Quelqu'un qui a fait du commerce avec des fruits de Juillet. Comme on apprenait, on avait appris qu'il y avait un Echashud à la Juillet, c'était la Mishnachet. Echashud à la Juillet, qu'on ne pourra plus acheter plus rien du tout de lui. On parle de quoi exactement? On parle de quelqu'un qu'on a attrapé une fois dans le sac, il a fait du commerce avec des fruits de Juillet. Du coup, il a, c'est la grande règle qu'on va voir à la fin de la Mishnah. On développera un peu plus après, mais pour le moment, le principe, il est, premièrement, on t'a attrapé la main dans le sac sur cet interdit, eh bien, tu n'es plus crédible sur cet interdit. Or, lorsque je vais être dans un magasin acheter quelque chose et que je demande au vendeur c'est cachère, et le vendeur me dit oui c'est cachère, est-ce que j'ai le droit de manger? Comment vous faites pour vous être confronté à la situation? Est-ce que quelqu'un vous dit mange oui c'est cachère, il te dit oui, tu crois ou tu crois pas? Bien, sur ça, de manière générale, il y a de la chod bien net. On a besoin d'un témoignage, mais un témoignage que edechad, edechad neman beisurin. On a besoin que tu témoignes. Donc, tu témoignes sur ce que tu vas me donner à manger. Et dans ce cas-là, on va être confronté à toutes sortes de problèmes, parce que si c'est toi qui commerce, peut-être que tu ne seras pas toujours crédible. Mais en tout cas, on a une grande règle, on ne va pas entrer dans tout ce domaine, bien évidemment. Mais on a un domaine important. Si toi-même, cet interdit-là, tu le négliges, tu n'es pas cru pour cette chose-là. C'est une règle logique. On va la définir exactement. Face à qui? Mais une chose de sûre par rapport à ce que toi tu as, par exemple, tu seras plus crédible. Si on t'attrapait une fois en train de faire du commerce sur l'interdit 8, on ne peut plus te croire, tu as perdu ta crédibilité. D'accord? Il est plus crédible. Ça, c'est quelqu'un qui rachute dans la 8. Alors maintenant, on se retrouve dans une situation où on a quelqu'un qui était chachoud à la Shvi'it, qui était soupçonné, susceptible de transgresser l'interdit de Shvi'it, parce qu'on a déjà, eu un problème avec lui. Et bien la Mishnah enseigne que sache qu'il est quand même crédible pour les Ma'asrot, pour les lois de Ma'aser Sheni. S'il va te vendre des fruits que tu sais que ce n'est pas des fruits de Shvi'it, on n'est pas dans l'année de Shvi'it, les fruits ils sont frais, ils viennent d'être cueillis, c'est sûr que ça va être de la Shvi'it. Mais le problème, c'est peut-être que c'est du Ma'aser Sheni, que dans ce cas-là, tu devrais prendre et monter à Yerushalayim. Et lui t'assure maintenant, c'est pas du maaser chéni. Tu le crois ou tu le crois pas? La Mishnah me dit, ben sache qu'il est soupçonné, certes, pour les. Il est plus crédible pour la Shvi'it, mais il reste quand même crédible pour le maaser. Et inversement aussi. Et chashud à la maasrot, et nous chashud à la Shvi'it. S'il est, soupçonné de transgresser l'interdit de maasrot, on a déjà attrapé les mains dans le sac, on demande de faire du commerce du maaser chéni sans prévenir les gens. Et bien malgré tout, si toutefois tu vas avoir des fruits que tu sais que c'est pas du maaser chéni, on est par exemple dans une année de maaser à Nîmes, ouais. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi tu sais que c'est pas du maaser chéni. Et est-ce que tu pourras le croire que peut-être qu'on a quand même un soupçon, peut-être que tu sais de la Shvi'it? Eh bien, enon chashud à la Shvi'it. Il ne sera pas soupçonné de transgresser l'interdit de Shvi'it. Chaque interdit, il a son domaine. Pourquoi? Telle personne, il va le prendre plus à cœur, il va être plus zahir, il va plus faire attention à cet interdit plutôt qu'à l'autre, ou à l'autre plutôt qu'à l'un. Chacun il a sa raison pour laquelle il va négliger lui le maaser ou lui va négliger la Shvi'it, mais ça n'implique pas qu'une négligence dans l'un va impliquer une négligence dans l'autre. C'est le principe de la Mishnah. Pourquoi? En deux mots, c'est très simple. Maaser Sheni, il y a une certaine gravité, c'est qu'il faut le monter à Yerushalayim pour le manger. Donc les gens ils vivent qu'il y a une kdusha. Même chez les gens qui transgressent, ils ont des niveaux. Ça on fait, ça on fait pas. J'avais entendu parler d'un voleur, bref. Des banlieues, qu'ils disent ah non, on ne vole pas une vieille dame. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Une vieille dame, on vole pas une vieille dame. Et comme ça, il y a des règles comme ça, même chez les gangsters. Et bien, selon le même principe aussi, de nouveau, il y a lui, la Shvi'it, Chofshi.
on vend en truc, en commerce, on ne fait pas attention. Mais le maaser, non, un maaser, il faut monter à Yerushalayim. Ce qui est kadosh, on ne vole pas. Comme il y a des voleurs, ils vont voler, mais ils ne vont pas voler de l'argent dans le Zaka. Et ils ont bien raison, parce qu'il y a une clala particulière sur ça. D'accord, c'est fréquent que chacun met ses limites. Donc, s'il est soupçonné sur la juite, il ne va pas négliger les maasrot. Pourquoi? Parce que le maaser, chéni, ça se mange à Yerushalayim, c'est kadosh, on ne veut pas. On veut pas prendre la tête avec le bon Dieu, on le laisse tranquille, on ne veut pas, mais à partir de la juive, on se permet de le faire. Et inversement aussi, s'il si est rachut sur la maasrot, ça ne va pas impliquer qu'il va être rachut pour la juive. Parce que même si le maasrot, maaser sheni, il a une certaine khumra, qu'il veut manger kayon shalem, mais il a l'avantage de pouvoir être racheté. On peut transférer la gdusha. Tandis que les fruits de juive, ils sont kadosh, toujours. Ouais, on ne peut pas supprimer la gdusha des produits juive, même si on prenait des fruits à la place. Si on achetait des fruits à la place, les deux, ils seront kadosh. Ça, c'est une autre halakha, ça prendra dans juive, mais en tachem. Mais en tout cas, le fruit de juive, il ne va jamais redevenir profane. À la différence du maaser. Donc le maaser, quelque part, il a dans la tête des gens, quelqu'un qui va négliger le maaser, il va peut-être dire, ouais, mais le maaser, je le néglige, parce que finalement, la gdusha, elle est un peu en l'air, mais elle n'est pas vraiment fixée, tandis que la juive, c'est beaucoup plus grave. Chacun son domaine. Donc pour ça que si on l'a soupçonné de l'un, il n'a pas soupçonné sur l'autre, et inversement. Entre parenthèses, bien évidemment, quelqu'un qui est plus soupçonné sur le maaser sheni aura quand même une obligation de prélever les troumot ou maasrot en guise de demaï. C'est un domaine vaste, on ne va pas ouvrir le sujet, sinon on va se mettre à passer 10 minutes sur quelque chose qui est un petit peu annexe. Mais c'est toujours rapporté dans le Bartha Noura, donc j'ai voulu le mentionner comme ça. On continue maintenant. Et chashud al-ze, ve al-ze, chashud al-taharot. Celui qui est soupçonné, qui a perdu sa crédibilité pour l'un ou pour l'autre. Il faut dire « ou » pour l'autre, comme ça le Tiferet Israël explique. C'est-à-dire, on a quelqu'un qu'il a négligé la juite, ou bien il a négligé les maasrot. Et bien dans ce cas-là, il a perdu sa crédibilité par rapport aux taharot, aux lois de pureté, même des rabbanan. Chashud à la taharot, il a perdu les lois de pureté de rabbanan, tandis que veyesh ou chashud à la taharot, venu chashud lo alze ve lo alze. Tandis qu'il y aura une personne qui pourra être soupçonnée de négliger les lois de pureté et d'impureté, mais qui ne va pas être chashud, il ne va pas être malgré tout soupçonné de ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur le troumot, ni sur les maasrot. Je m'explique, c'est très simple. Dans les lois de pureté, c'est très vaste, entre ce qui est de Horaïta et ce qui est de Rabbanan, il y a plein de Rabbanan. Là, on parle de la Tahara de Rabbanan. Tahara de Rabbanan. Chachamim avait un minhag que les bons gens, les bons juifs, mangeaient tout pur chez eux, tout était pur. Ils faisaient très attention pour ne pas éviter des contacts avec les troumot, avec les kochim. D'accord. C'était, donc il y avait une mahala, c'était pas un grave interdit en soi-même, mais un maharetz, quelqu'un, un gens du peuple, qui allait parler des gens du peuple, chez eux. Tout était devenu impur pour les bons juifs. Et c'était une manière de marquer une certaine distance et tout ça. Maintenant, il y a pour tout ce domaine de loi des rabbanan, alors la Mishnah de pureté des rabbanan, alors la Mishnah m'enseigne que sache que si quelqu'un il est soupçonné de transgresser un interdit de la Torah, quel que soit l'interdit, l'un ou l'autre, alors ça, c'est sûr qu'il a perdu sa crédibilité maintenant par rapport aux lois de pureté et d'impureté. Pour les impuretés des rabbanan, c'est sûr que tu ne pourras plus te fonder sur lui. Parce que s'il transgresse du Deoraïta, de la Torah, c'est sûr que le rabbanan aussi le néglige. Par contre, si tu as vu qu'il a négligé des lois de pureté des rabbanan, qu'il a manipulé il devait faire un Netilat Yadayim pour manipuler des choses, il ne les a pas fait. Donc il a perdu sa crédibilité par rapport aux lois de Taharot, aux lois de pureté des rabbanan. Malgré tout, et non, Chachoud, l'Oalzé, il ne sera pas encore, il n'aura pas perdu sa crédibilité par rapport aux lois de Juvit et de Maasrot, qui sont des lois de Horaïta. D'accord, c'est le principe de la Mishnah. Et maintenant, la Mishnah continue avec une généralité qui va inclure beaucoup plus, et que la Lachan ne sera pas fixée comme ça. Zéaklal, telle est la règle. Kole Chachoud, ala davar, lodano velomeido. Telle est la règle. Tout celui qui est soupçonné sur une chose, il ne pourra plus jamais le juger ou le témoigner. Plus jamais. Je m'entends. Il pourra faire tchouva un jour. Il y a une manière de la Gemara nous enseigne, je crois dans le Makama, nous enseigne comment est-ce qu'on fait tchouva. C'est tout un truc. Il faut qu'il prouve qu'il a fait une vraie tchouva. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Dans Sanhedrin plutôt. Et en tout cas, voilà, Michel reste en me disant encore les chachou dans la dvar, tout celui qui est soupçonné d'une chose, eh bien, il ne pourra plus ni le juger, ni témoigner sur lui, même témoigner. La Mishnah vient inclure quelque chose de plus grand. Elle vient dire que si vous m'avez attrapé à moi de négliger l'interdit de maaser sheni, eh bien, de l'avoir mangé ou de l'avoir vendu, eh bien, je ne pourrai plus, moi, juger des questions de maaser sheni, même si je suis un grand ami chacham, mais qui s'est permis de faire une petite avéra en cachette, ça c'est une chose,
mais ni même témoigner. Maintenant, la Mishnah inclut même témoigner pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, imaginez, bon, moi j'ai un problème, dès que ça me concerne à moi, je me trouve toutes sortes de permissions. Mais est-ce que je peux témoigner pour mon voisin que les fruits qu'il a, lui, sont cachers, ils ne sont pas maaser sheni? Est-ce que je peux témoigner si j'étais soupçonné moi-même de faire de transgresser l'interdit de maaser sheni pour moi, pour ma consommation personnelle? Alors là, il y a une discussion sur ça. Est-ce que Hachashud Badavar, est-ce qu'il est Hachashud Aladavar, Lodano Velomeido, tout celui qui est soupçonné d'une certaine chose, il ne pourra plus ni le juger, ni témoigner sur cette chose, même témoigner pour quelqu'un d'autre. Sur ça, ça rallonge beaucoup. On en reparlera plus loin dans la Mishnah Dalet, apparemment de Perekhe. On verra quand on y sera, je crois. Il y a 60 au cas, le Tiferet Israël ne rapporte déjà ici que la halakha n'est pas fixée comme ça. La halakha, elle est fixée que si je suis soupçonné d'une chose, je peux plus certes témoigner pour moi, mais je pourrais témoigner pour quelqu'un d'autre qui n'a pas transgressé que ses fruits, donc en l'occurrence, sont cachés. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.